to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Donc dans le paysage des machines grand tourisme, nous vous présentons aujourd'hui la Kawasaki 1700 VN Voyageur. Donc comparable en cela à des machines telles que la Victory Vision, une Honda Goldwing ou une Harley Davidson Electra Glide ultra classique. Gros avantage par rapport à ces deux dernières machines, c'est qu'elle est nettement moins chère. Côté motorisation, nous avons affaire à un bicylindre de 1700 cm3. Il développe 74 chevaux. Donc compte tenu du poids de la machine, c'est un moteur qui se monte malgré tout assez efficace, même si je trouve qu'il manque quand même un petit peu de caractère. Alors au niveau protection, évidemment, on est dans vraiment le domaine maximal, avec une très grande bulle, avec donc un carénage de tête de fourche qui protège très très efficacement. Il y a aussi un petit détail astucieux concernant les jambes avec un volet qui est réglable sur trois positions, donc qui permet soit de laisser rentrer complètement l'air, soit de bloquer complètement l'air. En ce qui concerne toujours le confort d'utilisation, il faut savoir que cette machine est équipée d'un régulateur de vitesse, ce qui est vraiment très appréciable quand vous faites des longs trajets sur autoroute par exemple. Alors, autre détail sympathique, cette machine est équipée d'une stéréo avec la radio et également un système qui permet de connecter un iPod. Donc au final, ce petit élément nous permet de dire que chez les Verts, on aime vraiment les pommes puisque la connectique est exclusivement dédiée à Apple. Donc comme toute GT qui se respecte, on dispose d'une grande capacité d'emport, un total de 176 litres avec un top case et deux valises latérales qui ferment à clé. Nettement moins imposant en volume, mais tout aussi pratique, on dispose également sur le côté droit du tableau de bord d'un deuxième vide-poche qui ferme à clé et en dessous duquel on trouve une prise 12 volts. Alors ce qu'on apprécierait par contre ce genre de machine, c'est une transmission automatique, ne serait-ce que parce que la boîte de vitesse est très bruyante sur les trois premiers rapports. En revanche, il y a un petit détail qui est fort sympathique, c'est que le sélecteur est à double branche. Donc on peut monter les vitesses avec le talon et ça, vos chaussures vont vous remercier. Donc ce qu'on apprécierait d'autre part, c'est aussi une marche arrière puisque la machine fait quand même son petit poids. On est à plus de 400 kg en ordre de marche. Bon, par contre, ce qui est assez phénoménal, c'est que dès qu'on roule, on a une maniabilité qui est quand même assez appréciable. Alors, détail technique très intéressant sur cette machine, c'est son dispositif de freinage baptisé KACT. Donc c'est un freinage coactif. Que vous freiniez du levier ou sur la pédale, vous allez actionner les deux freins avant et arrière. Mais c'est surtout très intéressant parce que c'est un freinage qui agit en fonction de la vitesse du véhicule et de la force que vous exercez sur les leviers. En gros, il y a un amplificateur qui va ralentir la moto à votre place. Et ça, c'est vraiment très très efficace. Et d'autant plus que le système est couplé à l'ABS. Donc niveau sécurité, c'est parfait. Donc esthétiquement, il est clair que les puristes de la marque de Milwaukee vont crier au scandale puisque cette VN 1700 Voyageur, c'est un vrai copier-coller d'une Harley Davidson Electra Glide. Mais qui dit copier-coller dit aussi gage de qualité. Et là, pour le coup, avec cette Kawasaki, on n'est pas déçu. La finition est vraiment très très bonne. Il y a une vraie impression de sérieux sur cette machine. L'avantage, c'est que Kawasaki a eu la très bonne idée de ne pas copier le prix. The more I see, the less I know, the more I like to live.